Bonjour à vous, mes chers Belzem. Alors apparemment, c'est un grand week-end pour beaucoup, hein, qui se prononce, qui s'accentue. Du bélier, on arrive vers le taureau. Donc on fait plus preuve d'indulgence et d'amour, de respect, de bien-être, de bienveillance. Mais ça peut aussi être dans un cadre tout à fait opposé, hein. On peut aussi se retrouver dans une forme de rêverie où on aimerait bien se sentir bien. Alors, je sais qu'il y a des choses qui se transforment, hein, et ça monte, hein, puisque on est bientôt en phase de pleine lune. Donc c'est ça Noël, hein, c'est la naissance full moon. Alors on va prendre des traits d'analyse, des traits de caractère. J'entends des traits de caractère assez particuliers là. Il y a un travail sur le caractère, sur son état d'esprit, des choses qui vont se modifier personnellement. Alors on me dit de ne pas trop mélanger pour celles-ci parce qu'elles le sont. Déjà, alors c'est pas obligatoirement positif, hein. On verra bien. Donc ce vendredi, hein, le week-end débute. Alors, oh, ok. Ok, je n'arrive pas à le dire. Ok, ça y est, ça y est, ça y est. Ici. Alors, amour, dévouement, altruisme, art. On voit quelqu'un qui change un peu son comportement, mais qui a envie de s'affirmer aussi, hein. Donc, il y a peut-être un choix entre deux, entre l'un, entre l'autre. On fait aussi des courses de dernière minute, des cadeaux de dernière minute qu'on veut faire avec bon sens, réflexion, avec oui, dévouement, hein. Donc on est là pour, on choisit avec le cœur, on choisit avec amour, on essaie de connaître les personnes à qui on veut faire les cadeaux et pour trouver le cadeau idéal, hein, voilà. Donc on est plus transporté comme ça dans une période d'euphorie, hein. C'est plus lors des courses. Alors je vous dis, les commerçants, ça cavale, hein, ça cavale. C'est un super chiffre d'affaires pour certains, puisque là on est dans une potentielle là, suractivité dans le monde du commerce. Et surtout, c'est quand même beau parce qu'on sent une bonne énergie. Il y a un côté artistique aussi. On a tout le monde, même ceux qui savent pas, qui sont pas artistes, eh ben, il y a ce côté, ce petit génie comme ça, cette énergie qui émane. Hein, donc, et ça, c'est très, très, très agréable. Vraiment très agréable. Donc on n'est pas obligé d'entendre de la musique de Noël parce qu'on produit soi-même cet effet-là, ce rayonnement. On a les yeux un peu plus grands ouverts pour voir, trouver le bon truc, etc. C'est presque passionnant, hein, c'est un peu une porte ouverte. Alors ici, on voit en plus, hein, comme dit, ça continue. Pourtant, je disais qu'il y a des trucs négatifs, mais là, on fait preuve de sympathie, d'originalité. On est vraiment bien parti, hein. Donc, alors, si, il y a quand même un petit peu derrière, on se dit, bon, bah, attends, je te demande conseil et tout, c'est pas cool, là, je suis devant, il y a trois tablettes, moi, je sais pas lesquelles choisir. On parle de ta mère, on parle de ton père, enfin, voilà. Et dans le couple, eh ben, ça se chamaille un petit peu. Donc, il y en a un qui en a ras-le-bol, hein, qui dit, attends, là, toi, tu glandes, moi, je suis là pour tout payer, pour machin, je suis pas d'accord. Donc, maintenant, tu te débrouille, hein. Donc d'autres ne vont pas se tremper pour le couple, hein. Il y a un truc, hein, dans le côté affectif, amoureux, où on voit quelqu'un qui va se venger aussi dans le côté cadeau. On va dire, bah, attends, toi je te louperai pas. L'année dernière, tu étais comme ça avec moi. Moi, cette année, rêve. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais pour le taureau, il y a ce côté affectif bienveillant, mais on garde l'œil aussi. Voilà. Donc là, on a une double force, hein. On est sur un cadre important, quelqu'un qui guérit. On est vraiment dans une guérison et à la fois physique, mais à la fois aussi psychologique, hein. On est en pleine forme, mais on sent la guérison. Là, il y a quelqu'un, c'est abracadabra. Hein. Je vois comme un sang qui se. Alors, c'est comme le sang qui est vidé, mais ça va laisser la place à une sorte de résurrection. Il y a quelqu'un peut-être qui meurt sur le moment, mais qui. Ça revit.
Ça revit. Il y a un équilibre, une renaissance. Ça, vraiment, c'est assez incroyable. On ne sait pas d'où ça vient, mais peut-être que les dieux vous faites partie d'une espèce que vous-même vous ignorez. Et peut-être que la science ne sait pas ou regarde, mais se dit laisse tomber, parce que là, je comprends rien au rhésus de la personne. On va le mettre comme tout le monde. Mais là, il y a waouh, t'as vu ce qu'il y a dedans? C'est quand même waouh! C'est spectaculaire, c'est toutes les nations et y a plein de planètes. Comment c'est possible? Donc voilà, et on a quelqu'un qui est dans une forme de regain ou résurrection, c'est assez particulier. Peut-être que dans le monde biologique aussi, on fait des découvertes de personnes qui ont une capacité à se. Là, on parle vraiment d'une sorte de régénération, mais par rapport à un potentiel d'empoisonnement, c'est de maladie ou des choses comme ça, et quelqu'un qui sait, qui arrive, le corps arrive à se refaire. C'est assez incroyable. Changement, évolution, succès, hein. Conquête, guérison, on est vraiment à fond dedans. Et là-dessus, ben, on a le droit d'avoir une prétention et de se sentir, ouais, moi je sais combattre le venin. Eh oui, ça y est, c'est dit, etc. Bon, eh ben, vous avez le droit. Vous avez le droit. Ça, c'est un super cadeau personnel. Vous avez le droit de mettre la bulle de votre culotte au-dessus. C'est plus haut que son cul, comme on dit, parce que là vraiment, c'est autorisé. Mais c'est autorisé. Il y a un truc, c'est extraordinaire. Quelqu'un a réussi à combattre corps, esprit. Enfin, c'est assez grandiose, hein. Donc, on découvre ça, ça peut dépasser l'entendement. Donc, on dit ici, il y a en plus un regain supplémentaire qui fait que l'énergie vous permet de rencontrer quelqu'un ou de vous transformer enfin ou de nouveau ou être sur les voies charnelles, mais avec quelque chose de bénéfique. C'est plutôt bon, un bon potentiel. Donc quelqu'un aussi se dit peut-être, ouf, j'ai de la chance, je suis en très bonne santé et voilà, je vais rencontrer quelqu'un, je vais pouvoir conquérir cette personne puisque j'ai patte blanche, mes analyses sont plutôt bonnes. Donc voilà, je suis de bonne humeur, ça va être un beau cadeau, on va se rencontrer. C'est possible aussi, c'est moins extraterrestre que ce que je vous disais tout à l'heure, mais quelqu'un va pouvoir faire ça en se disant, ça y est, je suis sortie d'affaire. ça va bien. Donc ici, on voit quand même, on dit faire attention parce que on entend quelqu'un qui a aussi tendance à être agressif sur le plan, encore une fois, du premier chakra, sur le plan sexuel. On voit un homme qui a quand même pas mal de puissance comme ça, qui se sent un peu tout pouvoir, hein, limite agressif, hein, vraiment, vraiment, vraiment agressif. Et on a une énergie à faire plein de bébés, quoi. Et là, on vous dit quand même, faut faire doucement parce que vous n'êtes pas seul. Quand on est à deux, on fait doucement, on fait attention. Il y a vraiment un truc là, tout doux, les gars, tout doux. Ou les autres, ou je ne sais pas quoi, mais un dérèglement, nervosité, hein, ça se fait pas bien. Hein. Il y a des risques. Là, on voit quelqu'un qui a tendance à partir de travers. Dans des circonstances. Là, je parlais de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui arrive à renouveler son sang et voilà, la guérison, c'est miraculeux. Et d'autres qui attendaient d'avoir un résultat sanguin et qui se disent, bah, ça y est, je peux remettre au galop. Et on voit quelqu'un qui se transforme de nouveau. Hein. Il y a un truc qui ne va pas bien là-haut. Hein. On voit qu'il y a des carences, un problème peut-être de vitamines ou quelque chose. Enfin, c'est assez bizarre, hein, quand même là. Hein. Peut-être que quelqu'un fait des excès. Il y a peut-être un excès de drogue ou on ne sait pas trop. Il y a quelqu'un qui veut arnaquer une autre personne. Moi, je dis faites attention. Enfin, c'est même pas ça. Hein, c'est que je vois quelqu'un qui est nocif ici. Je sais pas qui vous êtes, hein, mais je vais avoir un audit en moins encore là.
au lieu d'en avoir en plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent oh, attends, qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Salope, je suis en train de me faire opérer. Eh bien, ici, là, ouais, carrément, hein, y a un petit problème. Alors, si vous êtes une femme, on vous dit de faire tout doux tout de même. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous êtes peut-être en période de gestation, c'est-à-dire soit il y a une ovulation, soit vous êtes enceinte, et là vous vous sentez faible ou autre, donc il faut faire attention, prenez des vitamines, voilà, et puis tout irait bien. Quelqu'un vous dit, mais non, t'inquiète, moi je ne vois rien, tu dis que tu ne te sens pas bien, mais moi je trouve que tu es belle, ou tu es beau, ou tu es bien, et machin, et tout, non, ça ne va pas, et bien c'est parce qu'il y a une petite carence. Mais attention, parce qu'on peut tomber dans les vapes, s'évanouir, etc. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un manque de vitamines, mais aussi parce qu'il y a un bébé qui est en train de prendre de l'énergie. Ça, c'est possible. Donc, voilà, on n'en voulait pas trop en parler, on ne voulait pas trop savoir, mais c'est possible. Hein. Donc là, on n'est pas en forme. Il y a quelque chose quand même d'incroyable. Autant au début, hein, je vous disais, tout au début, je disais, il y a un truc qui ne va pas bien. Là, on entend quelqu'un qui se dit, waouh, super, je m'en sors quand même superbement bien et je suis en super forme. Et en fin de compte, peut-être qu'on a découvert des analyses et on comprend que les analyses, en fait, elles vous disent que non, ça ne va pas du tout. Et vous pensiez, ou la personne pensait que ça allait très bien, et que jusque-là, vous en êtes bien sorti, mais en sachant ce qu'il y a dedans, eh bien, à présent, ça devient, ça devient dur. Pour d'autres personnes, on voit qu'il y a un problème. Encore une fois, on voudrait dépenser, investir, il y a quelque chose qui ne va pas bien et on dépense trop d'argent. On vous dit, alors attention, ne dépensez pas non plus une fortune dans les vitamines parce que l'oracle vous dit qu'il faut vous donner, vous prendre en force, etc. Faites attention. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être vous subtiliser financièrement en faisant croire une histoire d'amour où il y a quelqu'un qui vient vers vous qui essaye de vous charmer et qui voudrait vous subtiliser. Alors, c'est vraiment plus subtil que ça, ce que j'entends là ici, et ça risque de cartonner aussi. On ne veut pas, ou on découvre que peut-être le partenaire aura fait exploser le budget. Et eux, tu dis, attends, tu déconnes ou quoi là? Non, mais ça, c'est pas possible. Non seulement maintenant, toi, tu travailles ou un truc comme ça, mais en plus, tu es toujours sur mon compte et là, tu es en train de me gratter. Moi, je peux plus. Comment c'est possible, quoi? Donc là, ça va plus. Hein. Là, ça va pas. Ça commence à très mal se passer parce que ça vire au cauchemar. Et ça, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose de pas bon. Méfiez-vous. Si vous êtes aussi en couple, faites attention de ne pas vous faire avoir. Il y a des gens dans les couples qui sont tordus, pervers. Oui, il y a du vécu, c'est sûr. Mais là, c'est les cartes qui le disent. Hein. Ça n'a rien à voir avec moi, mais je vous le dis. Il y a du vécu aussi là-dessus. Mais là, on voit dette, amende, machin. Ou quelqu'un qui est en train de révéler à une personne dans le couple qui est endettée pour des histoires justement un peu abracadabrantesques ou lugubres, parce qu'il y aura aussi des décisions qui ont été prises, etc., etc., etc. Une personne qui aura eu un manque de maturité, entre guillemets, mais par problème limite sexuel. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, quelqu'un aura peut-être voulu récupérer plus d'argent ou plus de force, on se dit peut-être même de gourmandise charnelle. Et on a vu qu'on s'est fait avoir. On est en train d'en parler, d'avouer certaines choses. Et ça rend fatigue, ça apporte beaucoup de fatigue. On en tombe malade là. On est en train de déprimer. On voit quelqu'un qui déprime et qui dépense en plus, qui se fait même carotter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent
pour peut-être essayer de s'en sortir. Et on vous dit, bah, ça ne sert à rien. Vous avez aussi perdu pas mal d'argent. Donc, il y a aussi quelqu'un qui se retrouve là. Il y a des histoires de procédure en ce moment. Hein. Ça attaque. C'est la fin de l'année. Donc, voilà. Et bien, certains se retrouvent vraiment... Ils n'ont pas envie de fêter la nouvelle année et finissent mal leur fin d'année. Hein. Voilà, ça c'est, on est plus dans les domaines, j'entends vraiment hein, juridique, où on parle plus d'affaires, de tromperies, d'affaires, d'abus charnels, etc., etc. Voilà. Alors, pour terminer, les joies apportées par le passé, eh bien c'est un petit peu la vie qui rattrape, qui revient comme ça, qui vous apporte du bon aussi. Hein, certaines personnes, le malheur des uns fait le bonheur des autres, entre guillemets, mais des fois le malheur des personnes, c'est pas parce qu'on a été malheureux ou qu'on s'était fait avoir qu'on ne peut pas être heureux. Et voilà, donc il faut se... on voit que la roue tourne ici. Hein. Foyer naissance... on voit une nouvelle personnalité aussi, peut-être du féminin qui veut protéger par réflexe ses enfants. Hein. Là, c'est, y a des choses qui sont très 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 importantes aussi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.